Zombie apocalypse. Et salut tout le monde, c'est Chirelle. On se retrouve donc en live sur Twitch pour la mise en place donc, de ce qu'on a pu voir. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube. De ce qu'on a pu voir au niveau des mages de Mars. Donc il y a énormément de nouveautés. Pour ça, il faut aller sur la chaîne Twitch où j'ai fait la vidéo où j'explique toutes les mages qui ont été faites en Mars. Il y en a eu deux le 6 mars, une le 10 mars. Et une le 11 mars où il y a énormément d'ajouts. Donc là, je me suis mis en live. Je vais sûrement le couper en plusieurs parties. Parce que par rapport à YouTube, vu que je vais être retransvaser sur YouTube, ça va être compliqué. Donc je ferai des petites coupures et puis ça fera plusieurs épisodes pour YouTube. Je sais que vous êtes nombreux sur YouTube à me dire « Oh là là, catastrophe, je suis paumée, je comprends plus rien. » Stop, arrêtez la panique, jouez à votre rythme. C'est pas parce que les mages ont dit qu'il y a un nouveau métier, par exemple la poterie ou autre, qu'il faut automatiquement le faire de suite dans votre gameplay. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, comme je vous l'ai dit lors de la vidéo. Ce qui se passe, c'est que ils ont fini, Toplis a fini Lumberjack Dynasty, comme je vous l'ai expliqué. Et je pense qu'à mon avis, ils ont dû mettre l'équipe de Lumberjack sur Medieval. Voilà, tout simplement. Donc, vu qu'ils sont plus nombreux, automatiquement, le jeu va avancer un petit peu plus vite. De plus, je vous ai posté aussi le prochain bébé sur YouTube qui va arriver en 2022. Wild West Dynasty, ça sera au pays du Far West, donc ça, ils sont en train d'y travailler dessus, donc ça fait deux jeux, donc Medieval plus Wild West. Farmer Dynasty, qui est l'autre bébé de Toplis, lui est déjà finalisé depuis longtemps, donc là, ça fait deux jeux déjà qu'ils ont terminé. Là, ils sont sur deux jeux, donc Medieval et Wild West. Donc je pense que l'équipe de Lumberjack est effectivement sur Medieval, d'où le fait que ça avance beaucoup plus vite, mais comme je vous l'ai dit, de mon côté, je trouve que ça fait beaucoup aussi. D'accord, à assimiler, il y a tellement de choses qui changent, c'est un petit peu dommage, donc ce serait un petit peu le message que je passerai à Toplis, c'est mollo, parce que pour les nouveaux joueurs, un, ça peut leur donner envie d'arrêter le jeu, ce qui serait dommage, et de deux, ça fait beaucoup de choses d'un seul coup. Alors soit c'est rien pendant 3 mois, comme je l'ai déjà dit, soit c'est tout de suite, voilà, et on se tape 4 mises à jour d'un seul coup, avec beaucoup de choses qui changent, et qui changent le gameplay. Donc il serait bien que Toplis, que j'adore, hein, mais bon, il soit mollo, voilà. Pour les anciens joueurs comme moi, ça va, sur des parties avancées, on s'en sort, et encore,
Je vais être honnête avec vous, on patauge aussi. Il y en a même, comme je vous l'ai dit, qui ont recommencé leur partie de zéro. Tellement il y a des changements partout. Et puis bon, ben, y en a d'autres qui essayent de tenir le coup. Donc moi, ma partie, du coup, vu que j'ai le let's play avec vous sur YouTube, comme vous me l'avez demandé, je suis reparti de zéro, comme on le voit sur le let's play. Ma partie avancée, j'y suis pas trop retournée dessus, donc je peux lui dire adieu, je pense. Je peux pas faire tout. Donc on va continuer ça, on va essayer de mettre en place quelques... On va regarder déjà tout ce qu'ils ont parlé au niveau de la nouveauté. J'ai marqué quelques trucs, donc on va vérifier certaines choses. On ne va pas pouvoir tout vérifier, puisqu'on n'est pas assez avancé dans la partie pour pouvoir voir si tout est possible. Mais au moins, on va regarder certains points que j'ai relevés. Et puis, ben, on verra ce que ça donne. Et on continuera aussi notre let's play, parce qu'on n'avance pas beaucoup avec toutes les vidéos que je vous ai faites sur les mages. Plus le test que vous avez vu du jeu qui m'a retardé avec mes collègues sur Echo. Ben voilà, donc ça c'était un jeu très prenant où il fallait s'investir énormément. Donc vous en avez pâti YouTube, je m'en excuse, donc je me rattrape puisque maintenant on a fini le test de ce jeu. Donc je suis beaucoup plus disponible pour me relancer sur Medieval. Donc on va continuer la partie. Alors déjà j'ai pu remarquer au lancement du jeu qu'ils ont changé. On avait un écran avant noir, là ils ont mis le gros titre là comme ça, Medieval Dynasty, en écran complet, et on a une petite pièce Medieval Dynasty qui tourne. Bon, ça c'est un détail, mais ça a été mis en place. Donc on va continuer notre partie. J'ai un petit peu peur de ce qui m'attend. Alors j'étais restée en hiver, je crois qu'on avait dit qu'on devait passer la couture niveau 2 déjà, mais on va d'abord aller vérifier tout ce qu'ils ont dit. On va regarder l'arbre des compétences, on va regarder les talents, on va regarder tout ça. Et on va surtout regarder si on a les PNJ, là, Falibor et John et Théobald, pour voir si on les a déjà recrutés et s'ils sont au bon poste, puisqu'ils avaient donné des nouvelles directives par rapport à ça. Alors bien sûr, je ne construirai pas, comme d'habitude, avant la fin de l'hiver, hein, pour les taxes. Alors, ce que je voulais voir aussi, c'est au niveau des coffres. Alors, nous avons 2000. Ça, alors au niveau des coffres, j'ai regardé par rapport à une des vidéos que j'avais fait. Le stockage général, il a été augmenté de 1000. Alors, c'est-à-dire que moi, j'ai deux stockages. Comme vous le savez, si je vais sur la map, alors, échappe, je vais sur la map. Voilà. Donc, j'ai un stockage qui est ici. Et j'ai un autre stockage dans mon village. Donc, j'avais une capacité avec ces deux stockages de 1000. C'est ce que j'ai noté quand j'ai regardé la dernière vidéo du Let's Play, j'avais 1000. Et là, maintenant, je suis à 2000. Si je ne dis pas de bêtises, on re-regarde. Hop, je suis à 2000. Donc, ils ont augmenté la capacité de stockage de 1000, en fait. 500 par stockage. Déjà au niveau du stockage général. Donc le mine pertuis, ben, on va le reprendre, puisque maintenant on peut le revendre. Bien que, on peut s'empoisonner maintenant. Donc c'est à voir. En mangeant une viande qui est en dessous de 13%. J'en ai pas là, on va aller faire un tour au niveau des stockages. Ça m'intéresse. Donc au niveau du stockage général en tout cas, on est passé d'une capacité de 1000 à 2000. Donc si vous en avez qu'un seul, vous devriez avoir maintenant 1000 au lieu de 500. Voilà. Donc, j'espère que là, je suis claire. Ensuite, on va aller vous faire un tour du côté. On va reprendre le mine pertuis. Ça, on l'a fait. On va aller... J'ai des frises ou c'est moi? Non, c'est moi. Alors, on va aller au niveau de la grange. Quand il fait nuit, c'est top. On est bien en hiver. Donc, on va attendre un petit peu. Pourriture, on n'en a que 3. Là, ici, le stockage de la grange. Alors, je l'avais noté, il était à 100 kg. Ils l'ont augmenté aussi de 150. Donc, on était à 100 kg. Le stockage de la grange est passé à 250 kg. Donc, ça a été augmenté. Pas de problème. Donc, ça, c'est bon. Donc, on a bien ici toujours la durabilité de nos divers outils. Ça, il n'y a pas de problème non plus. Par contre, vous voyez, les houes que j'ai mis dans le stockage, ils s'en sont servis. La houe en fer, par exemple, elle est qu'à 85%. D'accord. Ok, donc ça a surveillé. Donc,
Les outils s'usent au fur et à mesure qu'ils les utilisent. Ça, on le savait, mais je voulais le vérifier. Histoire de... Alors, pour sortir d'ici, je me perds à chaque fois la nuit. Alors, je voulais voir aussi... On va aller voir la nourriture. Alors, est-ce que je peux mettre la torche? Ouais. Alors, parce que là, j'y vois que dalle à chaque fois. Salut des pannes. Ah oui, pour une fois, t'es en live. Tu vas bien? Alors, au niveau du stockage de la nourriture, voyons voir, voyons voir, voyons voir. On avait un stockage de 200. Ils l'ont bien augmenté. Ils l'ont augmenté énormément. Il a augmenté de 300 kilos. Ce qui n'est pas mal. Ce qui est pas mal. Alors, on va pouvoir y mettre nos champignottes, là. Hop. Alors, ce que je voulais tester aussi, c'est si j'en ai, c'est une viande, pour voir si on peut vraiment s'empoisonner. Ça m'intéresse. Quitte à mourir. Non, je plaisante, mais enfin, donc la viande, c'est là en dessous de 13%, on s'empoisonne. Hein, donc, à voir. Donc, ok. Super, oui, et toi, pas mal de nouveautés, là, de quoi s'y perdre. J'attends avant de recommencer une nouvelle partie. Ouais, mais enfin... Tu te perds sans te perdre, en fait. C'est pas parce que tu as les nouveautés qui sont mises qu'il faut les appliquer au taux direct, quoi. Faut jouer à ton rythme. Après, c'est vrai que là, ils ont fait fort. Mais comme tu as Lumberjack qui est terminé, j'ai rien mangé sur moi, d'ailleurs. Comme tu as Lumberjack qu'ils ont fini, je pense que l'équipe de Lumberjack est allée sur Medieval. Je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'ils avancent plus vite. D'autant plus que, je sais pas si tu as vu, mais il y a un autre bébé qui va sortir en 2022 sur Wild West Dynasty, pardon, qui va être le même style que Medieval et que les autres qu'ils ont fait avant, dans le même topo, mais au niveau du Far West. T'as les 5 coms ce matin? Ben mince, je regarde, j'ai pas vu. Ou alors t'as pas le même pseudo sur Twitch que sur YouTube, je sais pas. Mais merci pour ton com, si tu l'as mis. J'ai dû commenter, mais tu dois pas avoir le même pseudo. J'ai le même petit lapin. Ah, c'est Mathieu. Ok, oui, ben, je viens de te répondre à l'instant. À l'instant. Je viens de te répondre, je crois. Donc, on va se prendre des viandes rôties. Mais tant qu'à faire, elle est à 50%, celle-là. Ben, il y en a 6. On va les prendre. C'est pas ça que je veux faire, évidemment, j'ai fait n'importe nawak. C'est la faute à des pannes qui me troublent, voilà, c'est le désavantage des lives. Non, je plaisante, hop, ici, viande rôtie, ben ça je le veux, hein. On va tout prendre parce qu'on n'a plus rien à manger. Alors, stockage, donc c'est bon, allez, ici j'arrive jamais à m'en sortir. On va aller voir au niveau de cette maudite taverne. Alors, le stockage. Allez, la torche qui a cramé. Ça commence bien. Alors, au niveau des stockages de la... Alors, attendez. Stockage de la taverne, il était à 100 kg. Alors là, par contre, celui-là, ils ne l'ont pas augmenté du tout. Ce qui est un gros problème. T'es innocent? T'es sage? Voilà, ça va. Voilà, il est tôt. Enfin, il est tôt. Il est midi 46 quand je fais le live. Donc... En général, je suis plus en live le soir, mais là, j'ai trop de trucs à la bourre avec l'autre jeu. Donc, j'ai dit, allez hop, je fais le live de Medieval, ça sera fait. Je le diviserai en plusieurs morceaux et je le reposterai sur YouTube. Donc là, par contre, ça me dérange, là. Ça, c'est pas bon. On avait déjà du mal avec le coffre de la grange, avec tout ce qu'il demande. Et là, on se retrouve, parce que là, on a les bols. Il faut y mettre les bols dedans, il faut y mettre les seaux. Il va falloir aussi mettre, maintenant qu'il y a l'alcool... Tout ce qui est, enfin du moins si on a un tavernier, il faut au moins mettre tout ce qui est pour faire les jus, pour faire la bière, donc les chopes, les autres verres là pour le jus. Et puis il faut mettre aussi les ingrédients, donc je pense qu'ils ont pas du tout augmenté ça. Ça me dérange. C'était quand même un des stockages les plus embêtants depuis le début du jeu. Bon, bref. C'est ainsi. Donc, ici, c'est pas bon. Donc, ils n'ont pas augmenté le stockage. Alors, vu qu'on est en hiver, on ne va pas construire du tout jusqu'aux taxes. Parce que j'ai pas envie de payer 3 millions de taxes. Alors, ce que je voulais voir aussi. Alors, d'après ce que j'ai noté, hop, au niveau des compétences. Alors, connaissance en extraction, on l'avait. Chasseur de trésors, on l'avait. Master of Destruction, c'est de celui-là qu'ils avaient parlé. Donc là, on n'a pas de points, mais comme on a une épouse, on peut lui demander de nous remettre nos talents à zéro. Je pense que c'est ce qu'on va faire pour test.
Alors, allow you to cover, recover half your resources when destroying. Alors, ça veut dire qu'en fait, quand vous allez détruire une maison, si vous mettez ce talent-là, tout simplement, vous allez récupérer half of your resources when destroying building module, fence and other. Vous allez récupérer en fait, alors je ne sais pas si c'est la totalité ou au moins vous allez récupérer les compos du bâtiment que vous allez détruire. Ça, c'est pas mal. Donc, mon épouse va devoir me remettre mes compétences à zéro. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Force de la nature, on l'avait déjà. Faire avec la terre, 5% de. Ça, on l'avait déjà. Mineur prudent, mule, maître des fouilles, je crois qu'on l'avait déjà. Réduction, ouais, c'est des trucs. Ça, ici, on l'avait. Donc, au niveau chasse. Steady End. Alors, de toute façon, tout ce qui n'est pas en français, à mon avis, c'est les nouveautés. Donc, Steady End. Avoir la main plus ferme, c'est pour le chasseur, c'est ce que je vous avais parlé. Donc, c'est celui-là qu'il faut mettre. Donc, pour avoir la main qui tremblote moins, je suppose, quand on tire à l'arc. Mais bon, moi, je ne tu fais pas l'arc. I'm aiming with ranges, weapon in disposal. Vous avez 10% de chances d'être un peu plus stable, d'aboutir à votre tir, quoi, en fait. L'autre, c'est quoi? Le prowler. Se faufiler fait 25% de bruit à moins. Ouais, c'est le furtif, on va dire. Tout ce qui est furtif. On fait moins de bruit quand on s'approche d'un animal. Prédateur, je sais plus. 10% de déplacement plus rapide en se faufilant. Hop, on l'avait. Alors, chasseur attentif, on ne l'avait pas. 15% de chance en plus de ressources supplémentaires, elles seraient des animaux sauvages. Donc, on prendrait 15% de ressources supplémentaires. Ok. Ok. Chasseur expérimenté, perte de durabilité des armes de mêlée à distance 5% plus lente. Mettre des pièges. Alors, plus une limite de piège plus importante. Ouais, ça, la limite. Les pièges, on peut pas en poser 50, ça nous en rajouterait qu'un seul. Mais bon, c'est pas vraiment super important. Au niveau agricole, alors, les champs, les cultures, les animaux, connaissances agricoles, 5 points de compétences en plus provenant des activités agricoles. Moi, j'ai mis quoi là, ici? Je ne sais plus. Bon, il va falloir que je refasse l'arbre avec mon épouse. Je ne vais pas la réveiller. Hein. 5 points de compétence. Le skilled farmer. Increase the chance for one additional collect crop of vegetal. Alors ça, c'est avec celui-là, vous aurez 25% de plus de chance de collecter des graines ou des semences plus importantes. C'est-à-dire, si vous avez planté des choux, vous aurez 25% de chances d'avoir plus de graines et plus de choux ou plus de carottes. Enfin bref, voilà. Alors, fermier vigilant, perte de durabilité, non. Signaleur de village, ça y était pas ça. Siffler pour invoquer votre monture. Oui, mais ça, on n'en est pas aux chevaux, nous. Maître fermier, les outils agricoles utilisent 10%. Bon, ça, on s'en fout. Je voulais voir par rapport au verger s'ils ont mis quelque chose. 10% de plus d'activité agricole pour les 10 prochaines secondes jusqu'à 20, ça, on s'en fout. Cavalier habile, skilled orchardman, increase the yield or char by 10%. Non, carotte, cavalier de nuit, ça c'est pour les chevaux. Je sais pas. Apparemment, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'ils avaient dit au niveau des nouveaux talents? Moi, je l'ai foutu le papier. J'en ai tellement, si vous saviez, au niveau des papiers. Toc, 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 toc. Je suis en train de regarder les nouveaux talents. Il y en aurait en extraction. Alors, agriculteur, fermier qualifié et verger qualifié. Alors, agriculteur, fermier qualifié. Skillet farmer, ça doit être ça. Fermier qualifié et j'ai dit. Verger qualifié. Ben, où je suis bigleuse, où je le vois pas. Ça doit être ça. Voilà. Increase the yield or char. C'est celui-là. Skilled Orchardman. C'est le skill pour les vergers. Ok. Jusque-là, on est bon. Ensuite, au niveau diplomatie, il n'y avait rien de nouveau. Survie, on l'a vu. Chasseur, on l'a même ferme, mais on l'a vu.
Diplomatie, il n'y a rien. Ah si, empathie normalement. Empathie. Tac, empathie, ici. Ouais, c'est ce qui n'est pas traduit en fait. Hein. During the conversation, the personality of the other is visible, which makes it easier to improve relationship and flirting. Alors, pendant la conversation, la personne de votre interlocuteur est visible. Et vous avez plus de chances qu'il approuve de monter le côté amical, si vous voulez, ou recrutement comme vous préférez, et le flirt en même temps. Ouais, c'est un peu con si on parle à un homme, quoi. Va voir. Faut test. C'est toujours pareil, les nouveautés, faut test. On a la main du roi, 25% de chance à s'en laver. Donc, oula, j'ai les cervicales qui ont craqué. Je sais pas si ça s'est entendu, mais alors ça a bien craqué. Bref, on s'en fout. Je craque. Alors, au niveau survie, donc on en a un point en survie, c'est entêté et insensible. Insensible. Alors, insensitive en anglais. Au niveau de la température, 2 degrés Celsius, on tolère 2 degrés Celsius de plus. Ça peut servir en hiver, maintenant que les vêtements ont un impact sur les saisons. Solide comme un chêne, niveau 2, je l'avais mis, moi, je crois, ça. Non, je l'avais pas mis. D'accord. Il faut vraiment que je revoie mes talents. Et l'autre, c'était quoi? Tac, tac, tac. Insensible et entêté. It's strong. Entêté. 25% vigueur alcool. Alors, avec entêté, vous avez la possibilité de résister 25% de plus à l'alcool, aux effets néfastes de l'alcool qui ont été instaurés depuis la mage. Ok. Donc, pour ceux qui ont l'intention de se prendre des cuites, comme ça a été dit dans les commentaires, je ne sais plus par qui d'ailleurs sur YouTube, ben voilà, ramenez ça. Vous résisterez plus à l'alcool, vous aurez moins de chances d'être bourré et de devoir aller dodo. Ok, niveau artisanat, bon, je pense pas qu'il y en ait des nouveaux. Non, il n'y a rien du tout. Donc on a vu au niveau des talents, donc il va falloir qu'on voie avec notre cher et tendre. Au niveau du journal, on a été où? On a chasse de nuit, et puis on avait l'arc manquant, pardon. Alors, récompense, là, il fallait qu'on... Il me faut cette compétence en réel pour l'alcool. Ah, pas boire, c'est pas bon pour la santé. Donc, il faut qu'on parle à Huberta. Mais ça, il faut qu'on chasse de nuit d'abord. Je pense qu'on va à la faille. Ça va être une quête faille, la chasse de nuit. Parce que je vais pas pouvoir émettre et tester la mage. Avancer un peu le let's play. Le arc manquant, à la limite, ça, on peut le faire. Il faut qu'on gagne des points en artisanat aussi. Alors, ils avaient aussi ajouté des bâtiments. Donc, on verra ça. Au niveau de la carte, alors ça m'intéresse. Ils ont dit qu'il y avait un arbre commémoratif. Alors où il serait cet arbre-là? Est-il visible déjà? Alors, déjà comme ça, moi je vois perso, je vois pas d'arbre. Hein. Alors, peut-être qu'il faut le découvrir, comme les chariots hein, qui traînent un petit peu partout sur la map, mais enfin on va regarder. Arbre commémoratif, où c'est qu'ils auraient pu foutre ça? Non, moi j'en vois pas. On va regarder là, on va aller regarder dans les filtres. Habitants, nouvelle quête, quête cible. J'en ai une où là? J'ai vu un point d'interrogation tout à l'heure. À Gostavia. J'ai une quête cible à Gostavia. Toc, 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 bâtiment de stockage. On va regarder par les filtres. Hein. Principale personne, on s'en fout. Les quêtes, hein. Là c'est les quêtes du roi, c'est les défis. Quête cible. Ah, j'en ai plus que ça. Hein. Les quêtes cibles, j'en ai à Branica, à Baranica et à Gostavia. Ok. Tous les bâtiments agricoles, on s'en fout. Joueurs, petite maison, ça c'est les maisons, les habitations. Extraction, chasse, pavillon de chasse, cabane de pêcheurs, non. Culture, non. Il n'y a pas d'arbre là-dedans, non plus. Non plus. Piège, filet, ça j'en ai pas mis puisque moi je développe pas la chasse. Non, en fait, je pense qu'il va falloir le trouver, l'arbre.
Ça, j'en suis pas très sûre, mais je le vois pas en tout cas sur la map. Il n'y a pas d'arbre commémoratif visible, donc je pense qu'il va falloir le trouver, comme il va falloir trouver les chariots qu'ils ont rajoutés pour pouvoir loot déjà ce qu'on va trouver autour des chariots. Et puis il va falloir trouver cet arbre. Ah, ben il nous facilite la vie, tiens. C'est agréable. Bon, bref. Au niveau de la gestion, ce que je voulais voir, c'est si on avait recruté les fameux PNJ dont ils ont parlé. Faudra qu'on regarde aussi le système de l'alcool dans la taverne. Alors voilà, c'est Falibor. Alors est-ce qu'on a un Falibor? Non, on n'a pas de Falibor qui doit être en artisanat. Donc si vous l'aviez mis ailleurs, il fallait le sortir et le mettre en artisanat. Et il y avait John et Théobald qu'il fallait mettre en forgeron. Ben nous, on n'a pas de problème parce qu'on n'a aucun des trois. Voilà. Nous, on a Jaroniouf. Hein. Je ne sais pas trop comment ça se prononce leur truc. Mais enfin, nous, on a lui qui est forgeron. Elle ou lui, je ne sais pas, lui. Lui. Donc, on n'a aucun des trois. Mais je pense que s'ils les ont mis, ce qui sont importants, il faudra jeter un œil sur eux. Alors, donc, Falibor, il est à. Tac-tac. Falibor, je ne sais plus où c'est qu'il est. Je regarderai ça. Mais je pense que s'ils les ont mis en avance, ce sont des PNJ qui ont l'air importants. Du moins au niveau de leurs compétences, je pense que c'est des PNJ qui sont importants. Donc, hop, hop. Je vais les retrouver hein, sur mon papier quand je vous ai parlé de la mise à jour. Hein. Faut juste que je regarde. Il y en avait 4 pages quand je vous ai fait la vidéo sur les mages. Toc, 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 toc. Ils sont... Alors, ouais, voilà. Falibor, il était à Borovo. Et John, il était à Ornica. Et Théobald, à Lesnica. Voilà. Donc, ces trois PNJ, je pense qu'ils sont à recruter. Puisqu'ils les ont mis en avant, je pense. On ira voir à Borovo, de toute façon, si ce fameux Falibor, déjà, il a des compétences intéressantes. Donc, si on venait à le recruter, il faudrait construire une maison, mais ça, on le verra après l'hiver. Mais déjà, aller voir au moins s'il est intéressant. Ou si c'est pas du tout le cas. Au niveau de technologie, alors, abri à bois, maison, machin, truc. Alors, est-ce qu'ils ont ajouté normalement, il devrait y avoir des choses ajoutées, puisqu'il y a la poterie, il y a le machin, donc ça va être dans l'artisanat. Pavillon de chasse, pêcheur. Il y avait le problème de cet atelier, là, qu'ils appellent atelier, alors qu'on en a déjà un. Au niveau de l'agriculture. Donc grange, poulailler, porcherie, abri à bois, stockage de nourriture, grange, bergerie, étable, tout ça on l'avait, stockage 3, grange 3. Voilà, on a la ruche et les vergers maintenant. Donc faudra bien penser quand on fera un verger. Comme je vous l'avais dit, c'est pas les champs. Faudra bien prendre verger ici. Mais il faut avoir l'agriculture, il faut avoir 1000 points. On en est loin. On n'est pas prêt de planter une cerise ou autre. Hein. Faut avoir 1000 points dans la compétence pour pouvoir avoir les vergers. Donc ça concerne la ruche 9000. Donc voyez, les dernières nouveautés, c'est ce que je te disais de dépanne. En fait, c'est pas la peine de vous stresser. Parce qu'en général, dans les mages, ce qui se passe, c'est que si vous n'êtes pas dans une partie avancée, vous n'aurez pas les points nécessaires. Donc, regardez ici sur la gauche, vous avez les vergers, vous les aurez que quand vous aurez développé l'agriculture et que vous aurez 1000 points. Voilà. Pour les ruches, ce sera 9000 points. Voilà. Et puis après, bon, les autres, on les connaît. Donc, moi, dans ma partie perso développée, je m'en étais arrêtée avant que je me lance dans le let's play, que je relance le let's play pour vous. Au niveau d'une nouvelle partie, je m'étais arrêté, moi j'avais l'écurie. Donc voilà. Donc moi, ce qu'il aurait fallu que je fasse dans ma partie, c'est la ruche et le verger. Donc voilà. Nos prises de tête, nos speeds. Non, t'as pas, c'est pas la peine que tu. Après, c'est toi qui vois. Vu qu'il y a des. Tu vois, quand j'ai recommencé des pannes, le let's play avec vous, moi, toutes les conversations que j'ai eues au début du let's play. Pardon, je les avais pas eues dans ma partie à moi. Donc après, il y a des nouveautés au niveau dialogue et tout. Donc il y en a beaucoup, comme je vous avais dit, qui ont recommencé une partie de zéro. Voilà, afin de découvrir toutes les nouveautés. Soit il y en a qui continuent leur partie comme ça. Ça, c'est un choix.
Mais là, bon, comme on peut le voir, hein, c'est surtout pour les parties avancées, ceux qui ont déjà les chevaux et tout. Donc, no speed, c'est pas une obligation. Et puis, prenez votre temps pour jouer, quoi. C'est pas parce qu'il y a ça qu'il faut le mettre. Voilà. Faut déjà regarder. Déjà, faut vérifier aussi si, comme ils l'ont dit, on peut aussi revendre tout ce qui est millepertuis, bâton, pierre, etc., etc. Ça, on va aller le voir quand il va faire jour. Mais apparemment, au niveau des prix, ça a chuté. Donc, on regardera ça. Donc, pour monter l'agriculture, hein, vous avez les compétences qu'il faut faire là, les semis, les récoltes, récolte de légumes, les animaux, la tonte des moutons. Mais ça, on en est loin, du moins dans le let's play, puisque je suis à la bourre. Et ça encore, je suis désolée. Donc là, de toute façon, nous, il faudra qu'on mette. Alors, il y avait un truc là qui me gênait. Où c'est qu'ils ont foutu cet atelier 3? Atelier, machin, truc là. Je vous en ai parlé dans la vidéo là. Le fameux atelier où soi-disant on pourrait mettre tout dedans. Parce qu'on a un atelier, maintenant on en a trois. Alors. Parce que l'atelier, moi, dans mes parties, avant toutes ces mages, je ne m'en servais absolument pas, puisqu'on n'avait pas besoin des bols. Alors maintenant, il va falloir que j'achète la shop, mais ça, j'ai le temps. La forge 1, il faut qu'on la passe en forge 2 si je l'ai débloquée. Alors l'atelier 2. L'atelier 2, les coupes en argile, les tasses en argile, les bouteilles en argile. Ouais, ça aussi, l'argile, ça va être. Ça va, il faut qu'on le régule aussi dans l'abri d'excavation. La forge 2, il faut qu'on la passe. Couture 2, il faut qu'on mette aussi. Taverne 2, on ne l'a pas encore, mais la couture, forge 2 et tout, va faire casser tout ça. Et ça nous permettra de voir, une fois l'hiver passé, ça nous permettra de voir si effectivement on récupère. En ayant mis le talent, si on récupère les compos, ça faudra vérifier. Et donc cet atelier, c'est quoi là? Et là, on peut faire les beautés. Voilà. Et dans l'atelier 3, donc vous voyez, c'est dans les parties avancées, donc no stress, jouez à votre rythme. Voilà, simplement, il va falloir, faut le savoir. C'est dans l'atelier 3 qu'il y a les bouteilles d'hydromel et les bouteilles de vin. Et les bouteilles de bière aussi. Voilà, donc l'atelier qui avait qu'un seul niveau avant, qu'on a fait dans le Let's Play EP11, ça c'est le P12, hein, qu'on avait construit l'atelier pour pouvoir faire les décorations, ben, tout simplement ils ont mis deux niveaux supplémentaires, donc pour tout ce qui est alcool. Donc vous avez le temps. Parce que l'atelier 2, on a quoi là-dedans? Panier en osier, bol en argile, bouteille en argile. Cruche en argile, coupe en argile, donc ça peut-être que ça peut passer. Mais par contre, atelier 3, il faut avoir 3500 points en artisanat pour pouvoir le craft. Pour pouvoir le level up en niveau 3 et débloquer ce qu'il nous faut là. Les bouteilles pour l'alcool, etc. Donc no stress, no stress. Ils ont bien géré le truc. Je pensais plus de panique que ça, quand même. Plus de panique que ça. Et là, non, il n'y a rien de neuf. Ok. Bon, ben, l'arbre, apparemment, il est à trouver. Donc, en se baladant, ah ben, on n'a pas fini alors. Ok, ben, c'est à voir. En tout cas, on n'a pas les PNJ concernés. Il faudra qu'on regarde ce Falibor là. Voilà. Hop. Alors, on est en hiver. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Ben, Falibort, hein, on va aller voir en face. Et on va regarder aussi en même temps si on voit des chariots qui se baladent. Alors, normalement, le live est fluide. D'après ce que je peux voir, j'ai pas de retard d'image, j'ai pas de saut d'image, rien du tout, j'ai pas de perte. Donc. Faut regarder s'il y a des chariots. Ils ont implanté des chariots. Il me semble bien d'avoir vu un par là. Je sais qu'il y en a un pour aller vers chez Sambor, qui est accidenté. Donc, il faut vraiment faire gaffe autour de nous. Il est près d'un pont. J'en ai vu un près d'un pont en me baladant. Ça doit être là-bas au fin fond. Mais on va d'abord aller à Borovo, voir ce fameux Falibor, s'il vaut le coup. Ça m'intrigue un petit peu. Là, on a des biches, on s'en fout. Je ne sais plus comment je cours. Ouais, je saute. Ah, c'est comme ça. Bah oui, de passer de jeu en jeu, je me paume dans mes touches. Hop. Et on ira voir de l'autre côté du pont là-bas. Enfin, l'autre pont, il me semble qu'il y a un chariot à côté. Parce que je suis allée aider
une collègue américaine qui débutait le jeu. Et par rapport où elle s'est mise, il y avait un chariot à côté, abandonné. À moins que ce soit celui-là, bon, je sais plus dans sa partie comment c'était, je ne m'en rappelle plus. Non, là il n'y en a pas. Ok. Ça doit être le pont. Alors, je sais qu'il est à côté d'un pont. Mais enfin, il y en a sur toute la map. Hein. Donc, il va falloir faire gaffe en se baladant. Voilà, on est à Borovo. Faudrait peut-être que je m'occupe de mes quêtes aussi, avant qu'elles soient fail, bien que ça n'ait pas un grand impact majeur. Alors. Donc là, on perd un petit peu de temps, mais tant pis, on regarde un petit peu. Alors, il y aurait un Falibor ici. Mais il me semble qu'on avait regardé et qu'on n'avait rien trouvé de sans sas ici. Hein. En Amalwina. Ici, j'ai qui? Henrik Rock. Super. Je vois pas de Falibor, moi. Et je suis bien à Borovo. Ouais, je suis à Borovo. Falibor à Borovo. Normalement, ils sont autour du feu. Bon, enfin, on va regarder. Halt. Donc là, on a elle qui est en 2 niveau 3. Elle est en diplo et en pêche. Je m'en fous. Là, on a un niveau 3 en extraction. Je m'en fous. La 2 niveau 3 champ et diplomatie. Je suis en train de buter ma stamina. Ils ont mis des nouveaux sons. Des fois, ça surprend. Hop. Ici, 2 niveau 3, un en pêche et un artisanat. Ok. Et nous, on voulait quoi? On voulait trouver un PNJ dans le Let's Play 11. Un PNJ qui était niveau 3 en champ pour pouvoir l'agrandir, puisque le verger, on n'y est pas encore. Pour agrandir le champ, il nous fallait un PNJ niveau niveau 3 dans 2 compétences, artisanat et champ. Et par contre, je ne vois pas de Falibor ici, moi. Rock, Ewalda, Henrik, Aldaber, Caniber, Wiber, Poznan, Dargorad. Falibor. Mais Falibor, il n'est pas du tout recrutable. Falibor, il n'est pas du tout recrutable. C'est le forgeron d'ici. C'est ça, hein? Ouais, Falibor, c'est le vendeur d'ici. Qu'est-ce que c'est cette affaire chelou encore? Il roupille, donc je peux pas lui parler. Ok, Falibor, en fait, il n'est pas recrutable. C'est... Pourquoi ils ont dit ça, en fait? Falibor, c'est le forgeron de Borovo. Celui à qui on achète les trucs. Donc, ça doit être pareil là-bas. Est-ce qu'ils ont mal tourné leurs trucs? Je sais pas. En tout cas, ils sont pas recrutables. Enfin, Falibor, en tout cas, ne l'est pas. Faudra voir pour les autres. On va aller voir... Je vais ramasser des trucs en passant. Comme ça, je vais voir si je peux les revendre. Alors, volontairement, je prends sur moi des bâtons, des pierres, histoire de voir si on peut revendre ça. J'ai le mine pertuis. Et il y a des nouvelles baies aussi, mais ça, c'est pas l'hiver qu'on va le trouver. Au niveau de ma gestion. Niveau nourriture, le bois, pardon, ça va. Niveau nourriture, c'est plus que la normale. Tout le monde est heureux. Ouais, c'est bon. Donc. Alors, je suis partie à l'arrache sans rien pour me défendre. Mais bon, c'est pas grave. Hop. On va courir. C'est quel bouton déjà? C'est pas celui-là.
Donc je sais que c'est près d'un pont. Vous allez me dire, il y en a plein des ponts. Je serais d'accord avec vous. Hop. Là, c'est quoi ça? Non, c'est un caillou. J'y voyais que dalle. Hop, 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 hop. Bon, c'est pas grave si je fail mes quêtes. Je veux juste voir. Je sais plus où était ma collègue américaine, mais. Donc, ça, c'est notre pont. À nous. Il n'y a pas de chariot accidenté à côté. Donc là, je vais faire gaffe parce qu'il y a les sangliers, les buffles et tout, et quanti là. Hop, je continue. Il y a un autre pont, il me semble, non? Ou j'ai rêvé? Non, j'ai rêvé. Ah oui, mais il est loin, le pont là-bas. Hein. Ok, on ira voir plus tard. En se baladant, de toute façon, on va. Oups, on va trouver, j'espère, des ponts. Des chariots, des ponts aussi. On va tout trouver, on essaye. Alors, oui, ce que je voulais paramétrer aussi, que je voulais changer, c'était au niveau de l'abri d'excavation. Puisqu'on va avoir besoin de l'argile maintenant pour la poterie, et ça aussi on en est loin. Donc il va lui falloir la pelle, on lui a mis déjà d'ailleurs. Hop, donc ici, c'est pas le stockage que je veux. Donc au niveau de la gestion bâtiment, tiens, on a un nouveau statut artisan. Ah, ça se présente différemment ça maintenant, ça va être un plaisir. F à la taverne. Oui, j'ai pas. Alors on avait un avertissement maintenant ici dans les bâtiments. On a un avertissement quand il y a quelque chose. Donc ça veut dire là, hop, on se met dessus, on sélectionne, on appuie sur F et ça nous dit qu'en artisanat les ils sont classés donc maintenant par catégorie, par compétence en fait. Donc là, en artisanat, on a la couture, la taverne, la forge. Tous les métiers qui nécessitent de l'artisanat. Et ensuite, donc, culture. On va avoir la grange, la grange, ouais. La chasse, le pavillon. L'extraction, on a l'abri à bois et l'abri d'excavation. Et habitation, ouais, voilà. Donc, ils ont rangé ça comme ça, ce qui n'est pas plus mal parce que c'était un petit peu le bazar avant pour trouver. Donc, ça, c'est un bon point. Ce que je voulais voir, c'était pas ça. C'était ici, taverne. On n'a pas de travailleurs, c'est normal. Parce que ça, c'est moi qui le fais. Stockage, on a vu. Je pense qu'on aura aussi l'alerte. Si nos bâtiments sont abîmés, on va vérifier. Mais je pense qu'il y aura une alerte ici aussi, qu'il y a un problème avec le bâtiment. Ou peut-être pas. À voir. Donc, je voulais. Extraction. L'abri d'excavation. Alors, qu'est-ce qu'on lui avait mis? On lui avait mis qu'on ne voulait pas d'argile. Hein. Donc, on va lui en mettre, puisque la poterie va en demander. Donc, autant en avoir. On n'a pas besoin de 50 000. Par contre, calcaire, je ne sais pas pourquoi elle s'est foutue, on pose dans le calcaire. Pierre, j'en ai pas tant besoin que ça. Calcaire, par contre, il en faut un max. Voilà, pour pouvoir isoler les maisons. Le sel, je m'en fous. Donc on va mettre un peu plus ici de calcaire. Alors par contre, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longs à bosser. Hein. Une ressource de construction pour améliorer les murs. Il lui faut une pioche. En bas, maintenant, ça nous le marque. Est-ce que j'ai foutu une pioche dans le truc, moi? Je ne sais même pas. Je crois pas. Si, elle a la pioche. Ok. Bah, à voir. Hein. À voir, à voir, à voir. Donc le jour se lève, toc, donc il me fallait un arc. Un arc, si je mets mes quêtes. Donc ben, je ne sais pas pour cet arbre. Je ne sais pas du tout où c'est qu'ils l'ont planqué. Arc manquant. Il lui faut l'arc recourbé. Donc on va voir. Alors, forge, il me semble où c'est là, où c'est... Est-ce qu'on a la recette au moins? Tac à tac, ici. L'arc tout court. L'arc long.
L'arc recourbé. J'ai même pas pris la recette. Donc ça va être une quête fail. Je vais pas m'embêter avec ça. Alors on est plus pour voir les nouveautés. Ok. Alors, autre chose que je voulais vérifier. Donc là, on a les massues, etc. Et les seaux. Parce qu'en commentaire, il y en a qui m'ont pris la tête là, en me disant, mais si, t'es nunuche, t'as pas vu, pour rester correct, hein, parce qu'eux ne l'ont pas été. Mais ils disaient que dans la forge, on pouvait faire donc les bols et tout ça. Alors, on va vérifier une nouvelle fois. Hein, ça, je peux être nunuche. Je peux les avoir ratés, mais ça me semble un petit peu bizarre. Ici, donc, on a les arcs. L'arc, outil, massue. Je fais trois fois, comme ça au moins. Ok. Donc, après, s'ils me parlent peut-être des forges évoluées niveau 2, niveau 3, hein, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas vu. Ici, donc pas de bol et machin, comme ils m'ont dit, et pris la tête avec ça. Donc pas de bol. Je parle à forge 1 en tout cas. Ici, pas de bol. Donc voilà, alors je suis pas nunuche et je suis pas autre chose, comme vous l'avez dit dans les coms certains. Loin de là, c'est que la forge niveau 1, en tout cas, on ne peut pas faire les objets en bois. Donc, comme j'avais dit, commentaire complètement faux et qui induit en erreur les gens, ce qui n'est pas terrible. Donc l'arc recourbé, ben, on ne va pas le faire. Parce que j'ai pas pris la recette. Hein, et pour ce que ça me rapporte pour l'instant, je revérifie, mais ils me mettent le doute, mais non. Donc l'arc recourbé, de toute façon il faudrait du fil de lin et pour l'instant on n'en est pas là. Donc je vais pas aller courir hein, pour aller acheter 4 maudits fils de lin. C'est pas grave, la quête sera fail. Donc on va l'enlever. Ça on n'y perd pas, ça nous enlève pas, je pense pas de points de dynastie. On va vérifier si ça nous enlève, quand ça va mettre quête fail. Combien j'en suis de réputation? 886, normal, on a un début de partie. 886, donc on verra si on perd de la réputation quand on a une quête fail. Hop, réputation, ça je marque parce que je vais pas me rappeler. Ok, donc ça c'est fait. Alors, les stockages, on l'a vu, la technologie, tout ça on l'a vu. Donc, faut que notre épouse, nous, on va rebasculer nos talents dès qu'ils vont se lever. Alors, ils travaillent beaucoup moins. Le matin, ils travaillent plus. Ils vont papoter entre le matin. Pourquoi je suis venue là? Je ne sais plus. Voilà, je voulais voir ici. Au feu de camp, rien n'a changé. Par contre, c'est ici, au niveau du chaudron, qu'on aura les nouvelles recettes. Donc, voilà. Donc, ici. Donc on peut faire maintenant de la bouillie de pommes. Pour ça, il faut des graines d'avoine. On n'en a plus des graines d'avoine, je crois. Un bol et des pommes. Donc il faudra acheter des pommes. Ensuite, bouillie de baies. Pareil, bol, avoine. On va falloir des graines d'avoine à Domfin. Graines d'avoine. Donc après l'hiver, je pense qu'on va se planter un champ d'avoine, on va regarder ce qui est le plus intéressant. Graines d'avoine, bon, on n'a pas les pommes. Par contre, des baies, on en a. Donc, ça leur ferait une nouvelle tambouille qui les rendrait heureux. Ici, on a le porridge, mais ça, on l'avait déjà. Donc, les bols. Bouillie, graines de seigle. Ok. Au niveau de là. Où je suis allée là, non, dans les soupes, je crois pas. Alors, dans les soupes, les betteraves, 4 viandes et des bols sont lavées. La soupe, 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 ragoût, on lavait. Ragoût de meilleure qualité, je pense. 8 secondes, on a les heures maintenant, combien de temps on met à préparer. Bol en bois, les choux, on lavait. Là aussi. Ça, soupe aux légumes, on l'avait déjà. La soupe de champignons, ça c'est une nouvelle. Hein. Donc il faut de la viande salée, des champignons. Ok. Et les bols, bien sûr. Et ici, soupe de champignons 2. C'est quoi la différence? Ici, on nous demande un bol, une viande. Ici,
un bol, une viande. Là, un champignon bolette, un champignon l'épiote, un bolette, un l'épiote. Et là, ben c'est le même. 3 secondes. Alors, la recette est identique. C'est un peu space. On n'a pas déverrouillé le plan, mais on s'en fout. Soupe de champignons, non, il y en a deux. C'est quoi la différence? Parce que j'en vois aucune. C'est les mêmes champignons, les mêmes quantités en heure. Celle-là, on met 3 secondes pour la préparer. Et là, pareil. Viande salée. Ah non, la différence, c'est viande crue. Et là, viande salée. Par contre, ça dit pas. On n'a pas plus de. Et ici, la soupe aux légumes. Ouais, je viens de le voir, viande fraîche et viande salée, ouais, je l'ai vu. Merci, Isa. Et bonjour à toi. Ouais. Et donc, les choux, celle-là, on l'avait déjà, mais j'ai pas pris la recette encore. Ouais, les autres, on les avait. On les avait. Ah, j'ai pas regardé le... Bijoux. Alors, ici, on avait autre. Donc, ici, la viande en sauce, on l'avait déjà. Hein. Les œufs brouillés, les voilà. Donc, ceux qui disaient que les œufs, dans les commentaires de la chaîne YouTube, j'ai rectifié le tir parce que vous avez des commentaires. Voilà, c'est du pipeau. Donc, les œufs, que ça ne serve pas. Si, ça sert. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y a deux nouvelles recettes. Vous pouvez faire des œufs brouillés. Donc, pour ça, il faut des œufs plus le bol en bois. Et vous, je crois que vous pouvez faire les œufs brouillés aux champignons, voilà, c'est ça. Et il faut, bah, évidemment, des morilles. Alors, pas n'importe quel champignon, attention, ils ont poussé des tailles loin, quoi. Bol en bois, œufs et morilles. Donc, plus vous allez leur varier la nourriture, bah, plus ils seront heureux. Vous avez moins de chances qu'ils se barrent, en fait. Par contre, moi, j'ai paumé depuis longtemps ma gourde. Je ne sais pas ce que j'en ai foutu, mais depuis plusieurs épisodes, je les ai perdues. Je l'ai perdue. Donc, je vais aller boire un petit coup. Et on va aller voir chez... comment il s'appelle? Chez... chez le voleur, comme je l'appelle. Si on peut vraiment revendre... J'aimerais bien tester aussi l'empoisonnement. Ouais, je suis folle. Je veux m'empoisonner pour voir si c'est vraiment... On va aller voir chez Falibor là-bas, pas Falibor, ça y est, il m'a obsédé lui. Chez Unighost, si vraiment. On peut revendre tout ce qui est millepertuis et tutti quanti, là, bâton, etc. Apparemment, oui, d'après ce qu'ils ont dit. Mais à voir si. Je crois qu'on perd au niveau prix, en fait. Bon, allez, cours un peu l'Icos. Fais un effort. J'espère qu'ils m'ont enlevé un petit peu le truc asthmatique, là. Ils l'avaient sorti, c'était très bien. Et après, on regardera les plans d'argile. Mais la poterie, c'est loin, on a le temps. Ça vaut plus rien, maintenant. Ouais, ben, je vais voir ça. Je sais que le millepertuis, c'était 5. Et c'était une pièce par bâton, ce qui était assez rentable. Et après, vous aviez les pierres aussi, que vous, si vous les transformiez en... Il y a des bruits chelous. Par moment, j'entends un truc, ou alors c'est moi, je ne sais pas. J'entends comme une bestiole qui me grogne, mais non, c'est... Bon, l'asthmatique est toujours là, hein, pauvre homme, hein, on le plaint. C'est moins de 1 maintenant. Ouais, bon, on va aller voir. On va aller voir, parce que de toute façon, je voudrais voir... Parce qu'en fait, ils ont encore changé un truc. Avant, comme je vous ai dit dans la vidéo sur YouTube, au niveau de la mage, ils ont encore changé un truc. Il n'y avait pas les graines avant de cerises, etc. Apparemment, je dis bien, il y aurait maintenant les graines. Graines cerisiers, graines poiriers pour les vergers. Mais comme je vous ai dit, il faut être en partie avancé pour les vergers. Puisqu'il faut avoir 10 000 points ou je ne sais plus combien pour les vergers. Donc, c'est pas pour demain. Donc, on va aller voir là. Est-ce qu'elle est arrivée, Pépette? Je crois pas. Là, voilà.
Ils sont vraiment pas pressés pour bosser. Hein. Ils ont vraiment ralenti. Hein. On savait que le matin, ils bossaient plus. Mais là, ils bossent plus du tout. Alors, montrez-moi vos marchandises. Hein. Alors, les pierres de jet, je ne me rappelle plus du tout combien ça valait. Les bâtons, c'était 1. Ils l'ont passé à 0,1. Ah oui, effectivement, ils ont bien baissé ça. Et le mine pertuis, 0,2. La vache! Ah ouais, t'as raison. Ouais. Le mine pertuis est passé de 5 à 0,2. Ouais, mais à la limite, bon, 247, ça fait toujours des pièces. Bien que maintenant, on peut s'empoisonner avec la bouffe. Faudra en garder quelques-uns. On va en vendre. Hein. Même à ce prix-là, on va en vendre. On va en garder une vingtaine. Donc, si j'en vends 224, je gagne 44 pièces. Ah ouais, quand même, hein, ça fait... ça fait pas cher le mille pertuis. Ok. Et les bâtons, on va les vendre. Et le bâton à 0,1 alors qu'il était à 1 avant. Ok. Bon. Bah, écoutez, de toute façon, ça permet toujours de gagner de l'argent. Hein, pour être honnête. Ouais, et les pierres de jet aussi, on y perd. Alors que c'est un bon moyen de aussi de gagner de l'argent. Faudra voir au niveau des matériaux transformés comme les flèches, etc. Si... on va pas lui dire qu'il fait beau. On s'en fout. Quelle journée, je travaille sans arrêt. Non, elle va pas aimer. Donc on va pas... Hop. Donc on y perd. On y perd. On y perd beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors ici, si je regarde, parce que je ne sais plus au niveau de ma gestion. Donc j'ai bien... Une femme, un homme. Alors, combien j'ai d'hommes et combien j'ai de femmes? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, c'est bon. Et mon épouse. Tout est bon. Donc, niveau 3, niveau 3, niveau 3. Il y a que... Ah, j'en ai pris un qui n'avait pas deux niveau 3. Étonnant. Étonnant de ma part. Bon. On va retourner. Ici, il y a quoi de... Ici, il n'y a jamais grand-chose de très, très intéressant. Faut vraiment partir dans les terres lointaines. On va bientôt devoir payer nos taxes. Combien on a payé d'ailleurs? Sachant que ça augmente toujours. Si on regarde à la fin d'hiver sans rien construire, on aurait 875 de taxes. Et à chaque fois, j'ai remarqué que quand on passe au printemps, c'est plus le même chiffre. Et on a deux pièces, je ne sais plus. Je crois qu'on a assez de toute façon. Inventaire, oui, on a 1300. Enfin, on va prendre un shoot là. Hein. Alors, au niveau de la map, qu'est-ce qu'on a à faire? Oui, je voulais revoir les talents. Gostavia, on a quelque chose en quête cible. Mais cet arbre commémoratif me chagrine. Il l'aurait mis où? Je ne sais pas du tout. Pas d'idée. Si vous en avez, vous n'hésitez pas à me le dire. Là, même en zoomant au max, je ne vois pas d'arbres commémoratifs. On peut voir les grottes et tout, mais je ne vois pas d'arbres. Je pense pas qu'il est mis hors map. Il n'y a rien pour nous aider au niveau des recherches, des filtres. Où c'est qu'ils auraient pu foutre ça? Alors, je pense qu'ils l'ont caché, un peu comme les chariots qu'on va découvrir au fur et à mesure, mais j'essaye de voir quand même en zoomant un max s'il y aurait le dessin d'un arbre chelou par là. Ici, on a une quête à la Snika. Oups, je suis allée un peu trop vite là. Branica, il n'y a que dalle. Hein. Enfin, je vois pas d'arbre, en tout cas. Alors, je pense que lui, il va falloir le découvrir comme les chariots, en fait. Mais ça, ça m'énerve. Vous allez voir qu'ils vont nous l'avoir mis. À un endroit où on ne va pas souvent. Les villes les plus éloignées. Non. De toute façon, il va être un endroit qui va pas être simple, je pense. Près des grottes, peut-être, pour nous compliquer la tâche. Ah!
Ah. Non, c'est un étang. Je crois. Oh là là. Il faut plus que je fasse de live le matin parce que ici j'ai pris la flaque d'eau pour un arbre. C'est très grave. Je vais consulter, je vous le promets. Ou aller voir un ophtalmo, je sais pas. Mais j'ai pris l'arbre, enfin un truc pour l'arbre. Ok, super. Ben, je sais pas. Là, niveau, en tout cas, ça sera à découvrir. Ok. Bon, et on va essayer d'avancer un petit peu le let's play. Donc ça, pas la peine de vous prendre la tête pour les nouveaux bâtiments et les nouveaux métiers. Puisque c'est pour les niveaux plus élevés. Voilà. À moins que vous ayez déjà 1000 ou 10 000 de points de. Alors l'argile, elle est là. Ça pète pas loin. Hein. Et c'est très très loin. L'argile, c'est ça. Il faut la pelle, évidemment, je n'ai pas sur moi. Mais dans l'abri d'excavation, on en a mis. Là, il y en a 3 tas. Ça, je le savais. Et il y en a aussi en face, là-bas. Je ne sais plus où je suis. Ici, il y en a 3 là-bas en face. 3 ou 4 tas d'argile. Là où vous avez les sangliers et les buffles, là. En allant vers Branica et Baranica. Ok. Donc, on a fait un petit peu le tour hein, de ce que je voulais vérifier, je pense, par rapport au mage. Du moins pour le let's play, par rapport au let's play. Après, pour les parties plus avancées, c'est autre chose. Alors, je voulais voir mon épouse pour mettre les nouveaux talents. Je ne sais pas où elle est, la biquette. Ah, ben, le bûcheron, vous voyez. Il bosse, elle bosse. Et je lui ai pas mis d'outils. J'étais restée là-dessus. J'avais pas mis d'outils. Et voyez, ça n'empêche pas que je les rondins. Donc la hache, là. Non. Il s'en est pas servi. Ensuite, qu'est-ce que j'avais hop, au niveau du chasseur. Effectivement, en hiver, moi, je ne construis pas, vous le savez, pour ceux qui me suivent sur YouTube, je ne construis pas en hiver parce que ça m'évitera de payer trop de taxes. Je peux faire construire après. Là, il a 2 viandes. Il a la viande. Donc, on va la prendre. Et par contre, il n'a pas de peau, il n'a pas tout ça. Non, on ne l'avait pas paramétré puisqu'on avait assez au niveau de nourriture. Qu'est-ce que je voulais voir? Je me rappelle plus du prix des flèches en fer, mais je crois qu'on y perd aussi. Ils ont vachement baissé le prix. Hein. Ouais, ça, c'est clair que pour débuter, ça va être compliqué. Toc, toc, toc. Ici, l'arc courbé, voilà ça que je voulais voir. L'arc recourbé, ouais, j'ai pas pris volontairement à cause du fil de lin, donc ça sera fail, hein, la quête. Donc on va la virer. J'aimerais bien que ça se fail assez rapidement de façon à voir si on perd des points. Chasse de nuit. Ah non, on l'a fini, il faut aller parler à Huberta. On l'a faite, je l'avais faite la dernière fois. Et vous me le dites pas sur le chat, c'est pas bien. Vous me laissez galérer, donc on va aller voir Huberta. Alors je ne sais plus où aller, Huberta. Alors je vais peut-être prendre mes lances parce que j'ai pas envie de me faire quick sur le chemin. Après, il faudra qu'on passe. On va regarder si. Toc toc, c'est bon, je l'ai. Si. Pourquoi j'ai plus mon maillet en main, moi? Vous m'expliquez alors qu'il est bien là. Hop. Et il va péter, hein, de toute façon. F. On va le remettre en deux. F1. Après les lances, je les embarraque, je crois. Voilà, il va péter incessamment sous peu. Je voulais voir si voilà, ici au niveau de ça, j'ai pas regardé. Alors, là, l'artisanat. Ok, ça a rien changé. Niveau des bâtiments. Alors, en culture. Donc on a donc les champs maintenant et les vergers. D'accord?
Vous voyez, ça vous demande 10 000. Donc, ce n'est pas la peine de paniquer. Continuez à faire vos chants tranquillement dans vos parties. Et après, vous débloquerez les vergers quand vous aurez 10 000 points de technologie. Vous avez le temps. Ok. Donc, ils sont bien, comme je vous l'avais dit, différents l'un de l'autre. Ne plantez pas vos arbres fruitiers dans un champ, ça ne marchera pas. Ici, donc, on a les animaux. Donc, on a l'apiculture, la ruche. Donc, il faut avoir 9 000 points en agriculture pour pouvoir développer la ruche. Ok, jusque-là, on est d'accord. Au niveau de l'artisanat. Alors, donc, on a les nouveaux ateliers niveau 1, niveau 2, niveau 3. La couture, on l'avait. La taverne, c'est bon. Là, il n'y a rien de neuf. Ici, les stockages. On a vérifié, ils ont bien augmenté c'est pas les stockages là, c'est l'abri à bois. Deux. Oui, là, on pourra mettre deux bûcherons. Ok. Donc là, il n'y a rien de neuf. Les maisons, ils n'ont rien changé. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ici. Stockage de nourriture. Non, par contre, ce que je voulais voir, c'était la taverne. Taverne 3. Mais je voulais voir les barils. Mais bon, apparemment. Non, mais c'est bon, ils ont été. Niveau bâtiment, c'est bon. Ensuite, les clôtures. Maintenant, on n'a plus besoin. Bon, moi, j'ai rien débloqué encore. Mais on n'a plus besoin d'avoir les signes nécessaires. Et c'est bien qu'on puisse, quand on casse quelque chose, récupérer les affaires. Maintenant, ça, c'est très bien. Donc là, on a les décos, les pièges, les trucs. Et les routes, ça n'a pas changé. Ok. Non, mais bon, c'est bon, c'est dans la logique de ce qu'ils ont montré. Ce que je voulais voir, c'était. Voilà, si j'ai quelque chose à réparer. J'ai pas de bâtiment, je pense que j'aurai l'alerte de toute façon si c'était le cas. Non, j'ai pas de bâtiment abîmé. Ok. Ensuite, il faut qu'on reparte voir. Il faudra qu'on se refasse les talents. Ouais. Alors avant de partir, on va aller voir Notre-Dame là. Elle bosse normalement ici. Il faudra qu'on mette la couture niveau 2. La forge niveau 2. Kunigunda. Ma chair est tendre. Alors, on va lui faire parler moi de vous, mais bon. Ouais, ça nous dit juste ce qu'elle est. Donc ça on le sait. On va lui discuter avec elle. Histoire de monter le moral, etc. Avez-vous une minute? Désolée, j'aime pas hein, ma blablabla. Si je lui dis ça, elle va se vexer, puisqu'elle est déjà. On va rentrer après dans le système des jalousies des couturières. Donc si je lui parle du noble, je ne suis pas sûre qu'elle aime. Mais bon. Voilà, elle va me dire que je pue. Non, pour une fois, elle ne me le dit pas. Plaisir. Ok. Avez-vous une minute? On va voir si. Les ragots, je ne sais plus si. Ah oui, elle aime les ragots maintenant. D'accord. Donc là, on va lui demander de nous aider. Je dois repenser mes talents. Je pense que nous sommes prêts pour avoir un enfant. Waouh! Déjà? Ouais, mais si je fais ça. Le problème est qu'elle va rester bloquée pendant 2 années dans le jeu. 2 années sans rien faire. Donc, j'aurai plus de couturière. Donc, on va attendre un peu pour bébé. Hein? D'accord? Je dois repenser mes talents. Alors, on a dit. Toc, où j'ai marqué. On a dit. On va tous les repenser. Hein? Extraction. On va repenser. Tous les talents, comme ça on va avoir un peu par rapport à la mage. Chasse. Hop. Diplomatie. Survie. On va tous les remettre, comme ça on aura fait le tour hein, de notre niveau au moins. Artisanat. Ok. Elle s'est barrée. Salut. Ok.
J'adore. Elles sont gracieuses. Elles font plaisir. Elles sont très amoureuses, les femmes là-dedans. Alors, au niveau compétences. Donc, on a tout enlevé en extraction. Donc, alors, on a dit qu'on... Déjà, il faut passer par un niveau 1 avant de pouvoir mettre un niveau 2. Et à mettre un niveau 2 avant de pouvoir mettre un niveau 3. Et pareil pour niveau 4. Alors, connaissances en extraction. 5 points de compétences en plus provenant des activités d'extraction. Chasseur de trésors. 5% de chance de trouver un objet trésor dans les fosses d'argile. Donc, comme on n'y va pas, on s'en fout. Et c'est celui-là qu'on veut, Master of Destruction. C'est-à-dire, quand on va casser, on va récupérer les ressources. Donc là, on va faire qu'on le veut. C'est un des nouveaux. De toute façon, ceux qui sont en anglais sont nouveaux. Ici, on va en mettre là. Alors, il n'y a qu'un seul niveau hein, pour Master en Destruction, mais ça va. Donc le reste, niveau 2, on n'a pas débloqué. Chasseur de trésors, on va en mettre connaissance en extraction. Force de la nature, je ne sais plus, perdre de la diabétique. Non, non, ça je m'en fous. Chasseur de trésors, ça pourra nous être utile, on ne sait jamais. Hop, j'ai encore des points à mettre. On peut en mettre dans le niveau 2 maintenant. Alors, force de la nature... Pour la hache, perte de durabilité plus lente pour les pioches et les pelles. On va faire ça. Et on va mettre dans le niveau 3. Alors, mineur prudent, 15% de plus de chances de ressources supplémentaires extraites des gisements, c'est pour les mineurs. Mule, limite de poids supérieure de 5 kg dans l'inventaire. Ça, je veux. Mettre des fouilles, c'était quoi? Réduction de 10% la consommation d'énergie. On s'en fout. Et après, niveau 4, on a la transe du bûcheron. 10% d'accélération dans l'abattage des arbres pour les 10 prochaines secondes. Alors, ça vaut pas du tout le coup. Et ici, pareil, c'est pendant 10 secondes. Donc, on a combien de points? On n'en a plus, d'ailleurs. C'est nickel. Donc, niveau chasse. Alors, ça, c'est la même ferme pour l'arc. Pour les armes en fait, toute arme. Donc on va mettre connaissance en chasse. On va mettre même ferme, c'est les nouveaux. Voilà. Ici, c'est quoi le crawler? Se faufiler en me faisant moins de bruit. On va déjà mettre tracker parce que celui-là c'est pour capter les animaux. Non, j'ai plus. Ah, prochain coup, tant pis. Agriculture. J'ai plus de points en agriculture. Ah ouais? C'est quoi ce délire? Bon. Diplomatie, donc connaissance en diplomatie, alors 5 points de compétences supplémentaires pour les activités diplomatiques, diplomate, 20% de réputation de dynastie en plus, hop, on va le mettre là, de toute façon il va falloir, faut le changer assez souvent, empathie, pendant la conversation, la personnalité de l'interlocuteur, make easy to improve relationship, voilà, on va en mettre hein, dans le niveau 2 là. Troc. Sympathique. 5 plus grande approbation de base. Alors là, ça ne veut absolument rien dire la traduction. 5 de plus grande approbation de base. Ok. Si tu dis. Main du roi. 25% de chance en moins de perdre la réputation du roi. Et bonne note. 10% de baisse d'humeur plus lente. On va le mettre là-dedans. Ou dans le troc. On aura un meilleur prix de vente dans la vente et dans l'achat. Ouais. On va mettre là. Donc on n'a plus de points. Ici, au niveau de la survie. Donc on a celui-là qui est nouveau. Insensible pour le saut froid. Alors, on va déjà mettre un point en survie ici. Niveau 2, là pour pouvoir voir les champignons, le millepertuis, etc. à distance. Niveau 2, solide comme un chêne, 10% de santé en plus. Qu'est-ce que j'ai là? Ici, c'est pour résister à l'alcool. Mais je ne suis pas obligée de le mettre tout de suite puisqu'on n'en est pas à l'alcool. Donc, survivant, 10% de perte de nourriture en moins d'eau. On va mettre solide comme un chêne, comme on avait mis. Niveau 2. Niveau 3. Je préfère le mettre là. Ça, de toute façon, ce n'est pas un problème. Hop.
Et salut Isa, merci d'être passé sur le live. Bonne journée à toi. Foie en fer, 25% de résistance à l'empoisonnement. Alors maintenant qu'on peut s'empoisonner à la bouffe, nous on dirait avec le mine pertuis, on va plutôt mettre connaissance en survie de au fond. Et puis on a encore un insensible, on s'en fout. Foie en fer, on met un là. On repensera les talents tout à l'heure. On a encore un survivant. Ben on va le mettre là, niveau 3. Et en niveau 4, on a encore des points. Niveau 4, solide comme un roc. 10% de dégâts en moins. Sportif, réduction. Alors celui-là, par contre, je voulais toujours déconseiller parce que moi, je l'avais testé. Ça n'a aucun impact sur le jeu. Donc, je ne vois pas de différence de toute façon. Et ça serait un point perdu. Et prenez 10% de dégâts en moins. Ça, par contre, c'est intéressant. Alors, ensuite, au niveau artisanat. Donc, on va mettre voilà, une connaissance en artisanat. Niveau 2, homme à tout faire, connaissance en couture, tac, 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 constructeur. Niveau 2, on a homme à tout faire, améliore rétrogradation des modules de maison, constructeur, on va mettre plutôt homme à tout faire. Et en niveau 3, qu'est-ce qu'on a? Expert en couture, fabrication plus rapide de la couture, en artisanat ou en truc. Bah non, on va le mettre en couture. Hop. Et ici, niveau 4. On a trans du constructeur, construction des maisons plus rapide de 10%, enfin des modules. Enfin des... Ils traduisent, c'est pas. Je pense que les modules, c'est les compos, je ne suis pas sûre. Plus rapide, empilage jusqu'à 1. Et maître constructeur, c'est celui-là le nouveau. 5% de consommation d'endurance en moins pendant la construction. Ça, j'en vois pas l'intérêt. Et là, on va mettre ça. On verra bien. De toute façon, si ça va pas, on en a d'autres points. On peut les remanier. Expert en artisanat. On va les mettre là. Connaissance. F. Voilà. Donc là, on a repensé ça. Donc, on a vu à peu près tout ce qu'il fallait pour la mage. Enfin, ce qui nous intéresse, nous, pour la mage. Je sais pas combien ça fait que je suis en live. Une heure. Une heure. On va aller rendre la quête là-bas. Si je ne me fais pas bouffer entre deux. J'ai pas pris mes lances. Je n'ai pas pris mes lances. Alors. Ici, on est bon. Tout le monde bosse. Ouais, alors par contre, niveau argent, je suis d'accord que c'est quand même un gros coup qu'on prend là. Alors, ça, j'en ai pas besoin. Du maillet, la pierre, j'en ai pas besoin. Je vais prendre mes lances. On va prendre celle-là, mais je vais pouvoir en recouper. De l'argile, elle en a récupéré déjà. Ok, est-ce qu'on a des trucs à vendre là-dedans? Je regarde. Je suis en hiver, donc je porte bien mes tenues. Je testerai aussi voir si ça a vraiment l'impact, les vêtements maintenant. Donc on va aller manger, enfin poser la viande crue qu'on a là. Et je ne sais plus ce qui nous manquait aussi en graines. Hein. Je ne sais plus du tout. Hop. Bon, les baies, il va falloir faire gaffe parce qu'on en a 570 qui sont à moins de 25%. Alors. Ok, viande rôtie, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit pour la soupe de baies? Si je prends la soupe de baies, technologie. Artisanat. Déjà, est-ce que je l'ai dans la taverne 1? Donc, je peux faire la soupe aux champignons et pas du tout la truc de baie dans la taverne 1. Alors, elle se fait où alors? Dans la taverne 2? Pain plat à l'oignon, rouleau d'avoine, pain de seigle, white bread, pain aux céréales, pain de blé, bouillie de baie. Ouais, c'est dans la taverne 2. Et bien, dans le prochain épisode, il va falloir qu'on passe la taverne 2. On en aura paumé, je pense, les...
pense qu'on aura perdu les baies hein, d'ici là. À moins qu'on fasse la taverne 2. On va déjà aller rendre la quête. Hein. On va aller voir ça. De toute façon, je ne veux pas construire pendant l'hiver. Ça, je ne changerai pas là-dessus. Hop. Donc, je vais équiper mes lances, même si j'en ai plus beaucoup. Il faudra que j'en recoupe. Ça va nous permettre de voir aussi si, comme ils ont dit, dès qu'on en a, ça se met auto. Alors, on a des nouveaux icônes. Hein. Ici, je n'avais pas vu. Donc, on a la santé, on a la nourriture, l'eau, le poison, l'alcool maintenant. On a la température. Voilà, donc on est pas mal. On est dans le vert. Là, c'est quoi ça? Le défi du roi, je pense. Les défis, les... Non, je ne sais pas. À voir ce que c'est que ces deux icônes-là. Donc, si vous savez, vous me le direz. Ici, c'est notre odeur. Donc, on pue à 17%. Ok. Là, les deux icônes, même en y mettant dessus, c'est pas marqué. Bon, on va aller en notre quête. Alors, oui, il nous faudra un chapeau aussi pour l'été. Pour pas avoir trop chaud à la tête. Allez, on va aller rendre cette quête là-bas. On va boire un petit coup. Alors, je vais passer. Vous savez que je jongle avec la manette et le clavier. Donc là, je vais passer au clavier souris. On va aller parler à Oberta. Si je cours trop, ça va pas le faire. Ma stamina ne tiendra pas le coup. C'est pas froid et chaud. Non, en fait, pardon, excuse. Hop. Non, en fait, des pannes. Si tu regardes ici, le chaud et le froid, tu l'as là. Cette ligne-là, tu vois, 14 degrés. Et si tu es là à gauche, tu as trop froid. Si tu es là, tu as trop chaud. En fait, il faut te centrer au niveau du vert. Il faut rester au niveau du vert. Là, tu es bien. Voilà. Mais là, je sais pas. Il y a l'onglet des trucs du roi, des défis. Peut-être que c'est ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout là. Je me renseignerai, à moins que quelqu'un le sache hein, quand je vais reposter le live sur YouTube, que quelqu'un le mette en commentaire, mais en tout cas au niveau de ces deux onglets-là, je sais pas du tout, mais par contre, ouais, là c'est l'odeur, donc on pue plus, ça y est, on est passé dans l'eau. Là maintenant on a l'alcool et on a toujours le poison. Ok, la santé. Voilà. Allez, on fonce voir Uberta. Alors, moi et le GPS, c'est toujours pareil, hein. Je me paume toujours autant. De rien, des pannes. Je me suis fait peur avec un lapin. Tout va bien. Tout va bien. Ne refais jamais ça, toi. Est-ce qu'on les a tués, en fait, les loups, la dernière fois? Mais vous me le dites pas. C'est pas juste. Alors, normalement, il y a les saignements aussi pour les animaux. Je sais pas si on l'avait vu dans l'épisode précédent. Moi perso, j'ai pas vu trop de différence. Si vous en avez vu, vous me le direz en commentaire, vous me le dites dans le chat. Si vous avez vu des différences, est-ce que les animaux ils mettent longtemps à tomber avec les saignements? Moi, j'ai pas vu de différence super magique. Hein. Du moins au niveau des biches. Alors, on va aller rendre notre quête ici. Si ça sera fait. Elle est où la pépère? À chaque fois, je veux lui buter ses moutons, moi. Hein, je ne sais pas pourquoi. Alors, elle est où? Umberta. Elle est là. J'ai des logs. Hein. J'ai pas ramassé le bazar que je leur ai laissé là, quand j'ai coupé les arbres. Hop, Umberta, elle est par là. Halt. Là-bas. Hop. Voilà. Hop. Je me suis débarrassée des animaux que vous vouliez voir disparaître. Merci.
Donc on a gagné 9 viandes en sauce. J'ai remarqué tout le monde dormait profondément grâce à vous. Tenez pour votre peine ainsi qu'un petit extra de ma part. Ok. Eh ben, c'est pas mal, on a eu une viande en sauce et je ne sais quoi. Alors ici par contre, alors il y a un vendeur, oui. Par contre, ils n'ont pas débugué les persos. Qui nous font un moonwalk sensationnel. Alors 3 en extraction, 3 en artisanat. Norbert. Regardez, mais Norbert, c'est pas lui qui vend des... Hop. Alors là, on a des choux, on a de l'engrais, on a la graine de choux, de la nourriture pour animaux. D'accord. Et nous, on a eu tout à l'heure, en remerciement de la quête, une viande en sauce. Ok. Donc lui, non. Et je crois que c'est Lesnica, Branica, etc. Où il y a le... On sait que l'autre vendeur. Nadar. Hein. Non. Bertha. Il n'y a qu'un seul vendeur ici, c'est lui. C'est Norbert. Ok. Donc l'autre qui veut son arc recourbé, elle c'est une quête fail auto. Alors, au niveau de la map, à Branica, on aurait quelque chose. Donc, hop, on enlève le point. Et on le met là. On va aller voir ça à côté. Donc on risque rien. Ce serait une quête intéressante. Enfin. C'est l'hiver. Mon perso, il a un petit peu faim. Décidément, ces pauvres moutons, un de ces quatre, je vais les tuer. Hop, on court. On a notre stockage qu'on a mis près de la grotte. Hein. Donc, je suis pas trop lourde. J'ai rien fait de plus. En manger, peut-être. La viande rôtie. J'aimerais bien quand même manger un truc qui soit à moins de 13% de façon à voir si on s'empoisonne. Il faudrait au moins tester ça. Il y a des nouveaux bruits quand on mange qui sont pas super agréables. Hop. Comme ils ont mis des bruits aussi au niveau de la porte. Des portes des maisons. Et les portes des maisons, ça fait un bazar maintenant. Ça grince. J'ai toujours pas d'ours, moi, ici. Hein. Je veux pas dire, mais... Hop. Ici, j'ai rien posé. Non. Non. Et là, je voulais voir... Ouais, les maillets, vous voyez, ils bossent. Hein. J'ai pas mis de... J'ai pas mis les outils. Donc, dans l'épisode 11, on avait laissé toute une journée. Ça avait bossé. Et là, même sans les outils, ils bossent. Bon. Alors là, il y aurait quelque chose d'important. Je vais vite et je fais pas gaffe qu'il y a des chariots qui ont été rajoutés. Je pense pas que ce soit là. Ça va être plus... Christophe. Salut Christophe. Merci pour ton follow. Salut, merci pour les vidéos sur YouTube. Ça m'a aidé. Ben, écoute, avec plaisir. Il n'y a pas de problème. Là, on est en train de mettre en place, enfin, on a regardé un petit peu, je la rebasculerai sur YouTube, je rebasculerai le live. On est en train de mettre en place, justement, les trucs des mages de... Les nouveautés des mages de, qu'on a eues en mars, là, les 4 d'affilée. Donc, il y a des choses qui ont été faites, oui, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et pas de panique, pour vos parties, je le redis. On a vérifié là. Tout ce qui est de la mage du 11 février, c'est-à-dire la dernière avec les abeilles... l'alcool et tout, il faut quand même avoir une partie super avancée. Voilà, parce que la ruche, c'est pas avant 10 000 points. Donc, vous faites vos parties cool. Vous prenez pas la tête. Hein. Voilà. Donc là, on l'a vérifié. Il n'y a pas de problème. Les stockages ont bien été agrandis, sauf celui de la taverne, ce qui est un peu plus gênant. Mais bon. Alors ici, normalement, on a une quête. Donc là, on a... Ah, on en a un qui est 3 fois... ouais, mais poisson, niveau 3, 3. Hangar. Voilà, donc vous prenez pas la tête. Pour ceux qui ont raté le début du live, je le reposterai comme ça sur YouTube de toute façon. Et vous reverrez quand je vérifie. Alors nous, on avait dit qu'on cherchait quoi? Un PNJ niveau 3.
puisque vous savez que moi je prends que des niveaux 3. Alors, je vais mettre sur pause pour pas perdre de temps, enfin que le temps ne passe pas trop vite. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu là? Regardez le système d'alcool, on l'a pas regardé. Il faudra regarder dans la taverne, mais je crois que dans la taverne, on l'a pas l'alcool. Mais on a vu qu'il fallait quand même la taverne. Non, si on l'a vu. On a vu, c'est la taverne niveau 3 pour l'alcool. Donc on l'a vu. Les vergers, on l'a vu. Ça, c'était ce que j'avais noté. Et il me reste à voir avec vous où se trouvent les graines. Puisque, comme je vous l'ai dit, dans la vidéo des mages, ça n'avait pas encore été mis en place. Ça a été mis en place sans qu'on soit au courant. Entre les deux. Si vous voulez, entre aujourd'hui et la mage du 11 mars, pardon, la mage a été un petit peu changée. Voilà. Tout simplement, c'est plus les fruits directs. Apparemment, il y a les graines des fruits, des cerisiers, des poiriers, des prunes, enfin, blablabla. Mais encore faut-il avoir le verger. Voilà. Et le verger, salut DJ, comment tu vas? Donc, le verger, c'est pareil, hein, c'est pas pour tout de suite. Il faut avoir 10 000 points. Donc, et ne vous plantez pas, faites bien des champs. Parce que maintenant, on a la roue. Ah non, écho, c'est fini. Écho, il est terminé, là. On a fini le test d'écho. Donc vous plantez pas quand vous faites vos champs. Maintenant dans la roue, vous avez les champs et les vergers. Donc vous plantez pas. Vous plantez pas. Déjà, mais tu plaisantes, ça fait 3 semaines un mois qu'on y était dessus. Et c'est pour ça que je suis à la bourse sur mes let's play YouTube, Jay. Bah oui. Donc, on cherchait. Donc ça, on l'a vu. Après, j'allais dire, regardez les nouveaux bâtiments, on a vu. Regardez la map pour voir l'arbre, on a regardé, mais on l'a pas trouvé. Donc ça, c'est un arbre caché qu'on va devoir trouver sur la carte. On a regardé, donc pour les PNJ, Falibor, John et Théobald, on n'a pas vu, mais pour Falibor, en tout cas, là, ça reste un gros mystère, hein, puisque Falibor, c'est celui qui est à Borovo, et ce n'est autre que le forgeron du village, hein, celui à qui on achète l'atelier à bois, c'est pour les bûcherons. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, mais t'as un autre truc. T'as l'atelier tout court. L'atelier tout court où tu dois faire les bols, etc. Maintenant, pour la nourriture, pour les plats. Et dans la mage, ils ont appelé un autre bâtiment. L'atelier où on pouvait apparemment mettre dedans plusieurs bâtiments. Bon, je ne l'ai pas trouvé, honnêtement, pour être... Pour être franc, je ne l'ai pas trouvé. Dans les bâtiments, tu as l'atelier. Si tu regardes là. Toc, 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 toc. Tu as... où c'est qu'il est celui-là? L'atelier, 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 l'atelier. Stockage, je crois que c'est là. Voilà, tu as l'atelier niveau 1. Celui-là, il est depuis le début du jeu. Il servait à rien puisque les bols et tout ça, les paniers, c'était de la déco. On n'avait pas encore le système de devoir mettre les assiettes pour pouvoir faire les plats. Non, celui qui coupe le bois, c'est pas ça. L'atelier, pour le bois, c'est pas l'atelier qui fait le bois. C'est ici. Attends, hop, c'est l'abri à bois. Voilà, l'abri à bois que tu as là, c'est celui pour couper les bois, le bois. Après, maintenant, tu as l'abri à bois 2, qui va te permettre de faire des palissades, puisqu'il faut que tu entoures ton village de palissades. Et ça va te permettre de mettre 2 PNJ dedans pour avoir plus de bûches, ou selon comment tu paramètres, si tu veux qu'il te fasse aussi le bois de stockage. Et bon, ça, à la limite, vaut mieux le faire toi-même. Donc, moi, pour l'instant, j'en suis qu'à l'abri à bois 1. J'ai le temps, je ne suis pas pressée. Donc, je peux faire des petites clôtures, des machins. Ils n'ont pas rajouté les voleurs. Pour l'instant, le problème, c'est que c'est selon les pop-up qui vont apparaître à l'écran. Je mets sur pause le temps de te répondre. C'est selon les pop-up en fait, que tu as qui apparaissent à l'écran. Tu n'as pas des voleurs qui arrivent chez toi et tu ne vas pas devoir combattre. Hein, contrairement au prochain bébé qui va arriver. Je ne sais pas comment ça va se passer. Celui que je vous ai mis en vidéo, là, le nouveau jeu de Toplis qui va sortir en 2022. Wild West, qui sera au monde du Far West. Là, ils disent que vraiment, il faudra monter sa compétence flingue pour défendre le canton et là où on aura notre saloon et notre village. Là, dans Medieval,
t'as pas vraiment de voleurs à l'état pur. C'est des pop-up qui arrivent à l'écran. On te dit, ben voilà, c'est surtout changement de saison ou réveil, en gros. T'as un pop-up et ça te dit, ben, par exemple, les rats ont attaqué cette nuit, votre stockage de nourriture et vous avez perdu tout ça. Tu as une liste de tout ce que tu as perdu. Après, tu as des impacts aussi sur tes villageois, des décisions à prendre. Mais les voleurs en état même, s'il y a du vol, tu auras sûrement un pop-up qui va te dire des voleurs sont venus chez vous cette nuit. Enfin, je pense, mais il y aura pas de, tu ne vas pas avoir à combattre. C'est un jeu de gestion, mais tu n'as pas de personnages à tuer. Donc nous, on en était où? Donc j'en étais là, pause, je ne vais pas y arriver. C'est pour ça que je suis en live le soir, parce qu'en journée, je suis à côté de la plaque. Hein. Donc il faudra qu'on regarde ces histoires de PNJ qui savaient parler dans la mage, que si on les avait, il fallait. Voilà, donc non, c'est en fait des PNJ qui sont importants dans des villages qui ont changé de statut en fait. Donc Falibor, il est passé, qui est à Bourreau, il est passé artisan au lieu de forgeron qu'il était. Et John et Théobald, qui devaient être des PNJ dans le. Je sais plus, à l'Esnica et machin truc là-bas, ils sont passés forgeron. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas des PNJ, je pense pas. Je vérifierai ça, je vous le dirai. Après, j'avais marqué tester si on peut vraiment revendre et à quel prix. On l'a vu, on peut revendre, mais à des prix catastrophiques. On y perd énormément au niveau argent. On a vu pour l'apiculture, pour les abeilles, c'est pas pour demain, d'accord? Puisque c'est même après les chevaux. Donc voilà. Les nouveaux talents, on les a mis. Donc c'est fait, ça. Voir la viande de cuite, ça, j'ai pas encore testé puisqu'elle n'est pas passée en dessous de 13%. Ensuite, la poterie et l'argile, on l'a vu. Donc pour l'instant, ce qu'on n'a pas vu, c'est si on peut s'intoxiquer à la viande. On a vu les nouveaux métiers, ça n'y a pas de problème. L'établi, on l'a pas. Pour les jus, etc., on l'a vu. On a vu tous les nouveaux bâtiments. On cherche des chariots, c'est en se baladant. On a vu si les stockages, ça c'est ce que j'avais prévu, donc je le fais avec vous, je raye au fur et à mesure sur mon papier. Donc on a vu que les stockages ont bien été augmentés, et pas mal même, sauf celui de la taverne. Alors ça par contre, ça me laisse sans voix. Et au niveau du gameplay, j'avais dit qu'il fallait passer la couture 2, la forge 2. Tous les ateliers en fait au niveau supérieur, il nous manque de l'engrais et des graines. Il nous faut trouver un PNJ qui soit niveau 3 en champ et en artisanat. L'abri d'excavation, on l'a paramétré pour qu'il produise du calcaire et de l'argile en prévention de la poterie. Et après l'hiver, une fois l'hiver passé, il faudra qu'on construise une maison, la cabane de pêche à voir, je suis pas trop pour parce que ça vaut pas trop le coup au niveau des recettes. Donc il nous faut un PNJ surtout en champ, qui soit 3 en champ et 3 en artisanat. Et le mémoriser ou se le noter pour construire une maison après l'hiver. Parce qu'il va falloir mettre quelqu'un à l'atelier. Alors, ici, artisanat champ, un monsieur ou une madame, peu importe. Alors, 3. Non. Toi, t'es quoi? Toi, t'es pas 3. Je m'en fous. Toi, t'es 3, non. Lui là-bas, lui, il est pas mal, mais pas dans les compétences que je veux. En chant, oui. Non, en chasse, il est chasse et pêche. Et diplomatie, m'en fous. T'es bien, t'as 3 niveaux 3, mais pas dans ce que je veux. Bon, c'est dommage parce qu'après, il va vieillir. Donc là, il est 3, lui, en extraction et en diplomatie. Non, j'ai pas du tout ce que je veux ici. Par contre, donc, la quête, elle est là-dedans. C'est qui a la quête? Hop, c'est Lubomira. Ah, mais même pas. Ça devait être l'autre. Montrez-moi vos marchandises. Alors, elle, est-ce que dans son truc, elle vend? Il faudra qu'on se fasse les sacs aussi, beaucoup plus lourds. Les graines de lin. Donc, elle vend tout ce qui est couture. Donc, on s'en fout. On va quand même monter notre diplomatie. Plus zéro. Normal, elle est couturière, elle s'en fout de la chasse. Hop. On va pas lui dire qu'il fait beau. Ok, on s'en fout. Je m'en vais.
Ok. Toi, là, ici. Lubomira, mais pourtant, c'est bien toi qui as un truc, une quête. Pourquoi elle me la donne pas? Ah, il y a un truc que je viens de voir. Regardez, au niveau des PNJ, ils ont rajouté l'âge, la perso pour ceux qui sont pas recrutables, ils ont rajouté l'âge et la personnalité, les snobs. Ah ouais. Tiens donc. Et son compère, hein. On voit. Ça peut être intéressant, ça. Ça nous donne paysan. Ouais, je viens de voir ça. Lui, un peu plus sainte foule, paysan. Tranquille. Avec une snob, ça fait bon, bon ménage tout ça. Une snob avec un paysan. Ah, mais ça, c'est bon à savoir. Ça risque de nous aider pour le recrutement, ça. Alors, voyons voir. Si on teste sur Pépère, là, qui a trois partout, ici. Est-ce qu'on a ça? Personnalité, nature. Ah, on a les personnalités. On va discuter avec lui, histoire de. Naturaliste. Alors, est-ce qu'il s'appelle naturaliste dans les champs? J'en sais rien du tout. On va mettre ça. Ouais, il est recrutable. Donc, vous avez beaucoup à apprendre. Nanana. Cool. Hop, 75. Et hop, on va reprendre là. 80. Donc lui, si on veut recruter, on évite que je fasse la boulette que j'ai fait deux fois. On va regarder elle. Elle a quoi comme personnalité? Naturaliste. Je m'en vais. Lui. Qu'est-ce qu'il a? Ils sont tous naturalistes, hein? Ouais. S'adapte en fait. Ok. Bon. Mais ce que je comprends pas, c'est que la quête là, elle me l'a. Je me suis accroupie là. La quête, elle me l'a pas collée. Hein. C'est pas. C'est lui qui a une quête ou c'est le gamin? C'est le gamin. C'est le gamin. Et il roupie maintenant. Il roupie. C'est le gosse en fait. Tu vois? Non, même pas. C'est Lubomira hein, qui a une quête, mais pourquoi elle ne veut pas me la donner? Parce qu'il fait nuit. Lubomira, tu me casses les pieds. Ben, ça a dû merder quelque part. Mais enfin, on a des les personnalités maintenant. Voilà. Donc, au niveau de YouTube, je vais en rester là. Je vais continuer sur Twitch, un petit peu le live, mais ça fera l'épisode 2. On finit l'épisode 12 là. Et on verra dans le prochain épisode pour augmenter tout ça. Donc au niveau de YouTube, on en reste là. On aura vu un petit peu toutes les mages, enfin tout ce qu'il y avait dans la mage, je pense. Si vous avez des questions, ben, vous savez ce qu'il faut faire, hein. Vous allez sur la chaîne YouTube, vous mettez votre commentaire, vous posez vos questions. Vous abonnez à la chaîne, le petit pouce en haut, blablabla, le petit pouce en bas si vous n'aimez pas. Comme d'habitude, on va changer de saison et je vais être au moment de payer les taxes. Voilà, donc ce sera l'épisode 13, le moment où on va payer les taxes. Donc je vais rester sur Twitch par contre en live et bien sûr je vais vous le rebasculer puisque ça sera l'épisode 13. Voilà, donc on en reste là pour YouTube. Plein de bisous. YouTube, je vous quitte là, mais je reste avec ceux de Twitch et je vous reprends pour l'épisode 13. Bye bye!